think there's a the derby, no derby. It's خير جميل. الديربي كان دفاع صعب لكل الفريقين. كل الفريقين لعبوا بطريقة جيدة. لكن درجة الحرارة يمكن أثرت يمكن على الأداء تاع الفريقين. كل الفريق يمكن بدأ بهم يعني يفوزوا باللقاء. الشيء اللي شفناه يعني والشيء مؤسف يعني عدم وجود الجماهير في لقاء اليوم. شيء مش مليح الكرة الجزائرية. لكن كيقول باللي الصحافة على عليها تلعب دور إن شاء الله في توعية الجماهير. باش ما يكونوش مشاكل في المستقبل ونقدموا الشيء الجميل للجماهير اللي تعشق الكره وتحب الكره خاصه في الجزائر. But I think today the both team play well. Oui, effectivement, on connaît la qualité de cette équipe qui a gagné 4 fois d'affilée les 4 dernières saisons, qui est toujours une équipe compétitive, un rival. C'était un derby d'Alger. Loin de nos bases du 5 juillet, puisque c'était la première fois qu'on jouait dans ce stade depuis quasiment un an, peut-être même plus d'un an. On avait joué l'USMA en mai dernier, je crois. Donc, difficile d'un point de vue, on va dire, la météo nous a quand même gênés. Il a fait très très chaud, près de 40 degrés. Mon regret, c'est d'avoir eu une pelouse un peu sèche. J'ai râlé tout le long du match parce que, quand on est footballeur, on aime les pelouses un petit peu plus humides de manière à accélérer un petit peu le jeu. Là, vous avez vu, ça ralentissait, c'était même parfois dangereux pour les appuis. Donc c'est dommage parce que c'est un beau stade et la pelouse était bonne. Donc j'aurais aimé juste voir une pelouse humidifiée de manière à avoir du spectacle. C'est pas une excuse, c'est un constat. Après, je pense que c'était un bon match. Les deux parties n'ont pas voulu peut-être tout montrer de manière à préparer cette finale qui arrive dans quelques jours. Voilà, donc c'est pas évident. Je tire mon chapeau à tous mes joueurs, à tout mon effectif.